une fille qu'on a vue. C'est là que tu dis un football. Ben ça c'est maman. Ouais. Cher Antoine, regarde. Jeudi 19 mai, nous organiserons dans la classe maternelle un goûter pour fêter les anniversaires des enfants nés au mois de mai. Lucien, Antoine et Ninon. Maîtresse, elle est d'accord qu'on amène des fraises. Bien sûr, elle est d'accord qu'on amène des bonbons. J'ai ressenti vraiment une simplicité d'être avec la terre et d'avoir que ce rapport avec elle, ce dialogue avec elle. Elle m'a soulagée de toute la complication du dialogue que je pouvais avoir socialement avec les gens qui m'entouraient. C'était très compliqué et là, tout d'un coup, j'avais une relation simple avec quelqu'un. Au moment où j'ai commencé le tournage, j'ai hésité, je me suis renseignée pour devenir sage-femme parce que c'était un métier qui me faisait très envie. Je crois que ce que j'aime, c'est quand même donner naissance quelque part. Enfin, j'aime bien l'idée de donner vie. Ça me parle assez. Le fait que Joël travaille le bois, du coup, j'ai un peu vu ce que c'était. J'ai un peu travaillé de temps en temps avec lui. Il faut le couper, le poncer, il n'est pas du tout malléable comme la terre peut l'être et c'est un rapport trop brutal pour moi. Moi, je suis dans un travail plus d'ingénieur, entre guillemets, de devoir répondre à des problèmes techniques. J'ai pas ce rapport comme elle à l'inspiration. Qui serait peut-être plus proche d'un travail artistique. Elle part de rien, comme moi un peu, et elle part de l'usage de l'objet qu'on lui destine. Et voilà, après elle maîtrise tout le processus. Contrairement à ce qu'on pense, on dit que c'est un métier manuel, on dit souvent ah « ben toi, t'es pas un intello, t'es un manuel ». On oppose les deux genres comme ça. Et je trouve ça assez faux. Je trouve que le manuel peut ouvrir l'esprit, que moi, ça m'aide à mieux réfléchir. Souvent, moi, en fait, ce qui me fait avancer, c'est que vraiment j'ai quelque chose dans ma tête qui me travaille, me dire bon, j'aimerais bien régler tel ou tel problème ou pouvoir amener telle ou telle possibilité sur l'instrument. Capot
que j'ai fabriqué puisse voir le monde comme ça, c'est chouette. J'ai l'impression de rentrer aussi dans l'intime d'autres personnes et de comprendre mieux le monde, en fait. Les objets, c'est un bon trait d'union entre moi et le monde. Alors, c'est des grands mots de parler de l'âme, d'un objet, mais je crois que moi, cette poésie-là, en tout cas, elle me plaît. Le trésor? Après, il va aller au chaud parce que dedans, là, il fait froid. Tiens, viens voir pour te moucher avant de monter. Les plus grandes des fourmis. Regarde trop d'hibou derrière toi. Regarde trop d'hibou derrière toi. Ah, un trou de hibou. Ah, un trou de hibou. Moi, je pensais que trou d'hibou, c'était un nom que tu avais avant. Si on a un chat, on pourrait l'appeler trou d'hibou. Moi, je vais aller de l'autre côté. Là où je suis? Oui. Tu veux sauter? Non. Non. Je vais pas. Je vais t'aider à aller de l'autre côté, non? Non, j'ai réussi. Arrête, enlève ton pied. Monsieur, je... Tu les mets comme ça. Je te tiens la main. Oh, non, je sais. Regarde, t'as pas besoin de me tenir la main. Regarde, nous, on a fait ces choix de vie là, mais j'ai envie qu'ils aient tous les possibles en fait par la suite, qu'ils choisissent vraiment leur chemin propre. Les enfants, quand ils vont voir les grands-parents, ils mangent ci, ils regardent ça à la téloche, tout ça. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils regardent, souvent ça m'embête, mais à la fois, je crois que ça me plaît qu'ils regardent plein d'autres choses et qu'ils voient que voilà, la vie c'est pas qu'une potière et un luthier, c'est plein d'autres gens et d'autres choses différentes. Et... je crois que s'il y a une chose que j'ai envie de leur transmettre, c'est cette liberté. Non, je ne veux pas souffler. Celui-là, il ne s'enlève pas. Antoine, il va t'aider. Bravo! Maintenant, il faut regarder les cadeaux. C'est Antoine qui ouvre les cadeaux. Non. Tu le prends? C'est qui? Le gérant de fer. C'est lequel le cadeau de vous? C'est celui-là. Et il parle quand on appuie sur le ventre. Et les yeux s'allument. Le pauvre Jean de Fer. Il est timide. Hein. Est-ce qu'il est timide? Il est pas timide contre lui. Hein. Tu le veux? Non, il mange. Alors, t'es content? Oui. C'est chouette d'avoir 4 ans? On dit qu'il demande pirate, Antoine. Il dit rien, Antoine. Attends, je sais. Il faut lui tenir la main fermée parce que sinon... Ouais, faut que tu lui tiennes la main parce que sinon... Comme ça, là. On peut faire comme ça. Comme ça, il a...
fait pas le sabre. Comme ça, on fait une photo de tous les deux. Voilà. Barnabé a plein de jouets et beaucoup d'amis. Mais son meilleur ami, c'est qui? C'est Mitch. Mitch. Seulement voilà, aujourd'hui, Mitch a disparu. Barnabé, Barnabé, s'écrit le papa du petit garçon. Oncle Jean et tante Marie s'en vont. Viens vite leur dire au revoir. Je cherche Mitch, je viens tout de suite, répond Barnabé. Ah, si les jouets pouvaient parler, se dit-il, Mitch m'appellerait sûrement de là où il est. Mais est-ce que les jouets ils peuvent parler? Non. Tu crois qu'ils peuvent pas? Ouais. Mitch, Mitch, où te caches-tu? Réponds-moi, Mitch. Si tu ne me réponds pas, dès que je te trouverai, je te donnerai 3 fessées, comme ça. Il claque 3 fois de main pour lui dire, je te ferai ça. 1, 2, 3. Voilà. Tout à coup, Mitch bouge les pattes, remue la tête. Il est vivant. Il se lève et d'un bond, comme un vrai petit ours, saute par la fenêtre de l'auto et tombe dans l'herbe. Barnabé n'en revient pas. Son petit ours sait parler. À peine rentré à la maison, il veut vérifier qu'il n'a pas rêvé. Il installe Mitch sur le lit, regarde par la fenêtre s'il n'y a personne à l'horizon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tape des mains. Et qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, fais voir. Et il frappe 3 fois des mains, comme le lui a dit son ours. Voilà Mitch qui se réveille et se met à danser sur le lit en chantant. Je ne suis plus un simple jouet, mon grand ami c'est Barnabé. Je lui ai dit un grand secret, maintenant c'est lui chef des jouets. C'est super, hein? Non mais Joël, ça c'est vrai qu'il dit jamais qu'il est artiste. Non. Non, je... Il ne le dit pas. Je ne le dis pas non plus, mais... Mais même toi, tu... ça t'énerve. Ben, je sais pas, mais ça, je me définis pas comme ça, quoi. Mais au niveau de la lutherie, c'est un peu pareil. C'est il peut y avoir un aspect artistique, mais dans un cadre, quand même, il y a vraiment une restriction pratique. Mais souvent, moi, je trouve que c'est pour ça que la frontière est très mince. Parce qu'un artiste, pour moi, c'est un artisan. C'est un artisan qui possède vraiment un savoir-faire et... qui arrive à sublimer comme ça ce savoir-faire, qui arrive tout d'un coup à créer une émotion en passant par le biais du savoir-faire et donc de l'artisanat. Joël, c'est vrai que comme il touche à des notions très subjectives, le son, la musique, les harmonies, etc., tout ça dans un cadre d'une forme, enfin... Ouais. Tout ça peut créer de l'émotion, souvent les gens... Oui, mais justement, moi je considère que l'artiste, c'est le musicien qui joue son instrument derrière. Ouais, sauf que tu es quand même le créateur de... Ouais. Mais moi je fais un objet qui est inerte en soi, et après c'est au musicien d'en faire quelque chose. Inerte, entre guillemets, parce que quand même, c'est toi qui choisis son son. Oui, mais après, oui, bien sûr, mais après c'est au musicien de le faire fonctionner. Oui. Je crois qu'en fait, les... Les gens qui me touchent, qui sont comme un designer, dit comme artiste, je pense pas qu'ils se définissaient. Enfin, je pense pas que leur quête était d'être artiste. Leur quête était de faire, parce que souvent ça leur était nécessaire de faire. C'était un faire pour eux, utile pour eux, où ils mettaient toute leur âme et leur savoir-faire et qui. Les gens qui veulent être artistes, je pense que c'est une fausse quête. Souvent, j'entends ce mot, mais vous êtes une artiste. Oui, bah moi aussi. Et c'est pour me flatter. Ouais. C'est gentil, donc je souris toujours à cette phrase-là. Mmh. Mais au fond de moi, à chaque fois, je la rejette complètement. J'ai toujours ressenti ou eu envie d'être du côté des créateurs. Ça m'a toujours... C'était un désir profond de ce côté des gens qui créent des œuvres et qui justement crée de l'émotion sur d'autres gens. Enfin, je trouve ce lien à l'humanité, il est fantastique pour moi. C'est ce qui me touche le plus. Moi, je me sens très, 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 très privilégiée. Même des fois, je suis un peu coupable. Je me sens comme une petite bourgeoise parce que j'ai eu beaucoup de chance.
Et j'ai pu faire le choix de ce métier qui me rapporte très peu. Mais des sacrifices, je sais pas. En fait, on vit avec peu d'argent, mais à la fois, on a eu beaucoup de chance d'arriver à acquérir tout ça. Et... Moi, je regrette. Il n'y a rien que je regrette. Non, je regrette pas. Si, des fois, moi, je regrette de pas avoir... de pourquoi m'être mis dans cette histoire de métier de poterie et tout ça. Pourquoi je suis pas salarié dans une entreprise et que j'ai des horaires. De et puis quand je rentre... Je rentre le soir, je dis bonsoir tout le monde, comment ça va? Vous avez passé une bonne journée? Moi aussi. Alors ça, moi... Je vais gagner tant ce mois-ci, je peux vous payer. Non. Non, mais je me moque, mais c'est vrai, hein, des fois j'y pense. Ah ouais, mais moi, par un instant, moi, c'est vraiment... Bah, ça serait plus rassurant, des fois. Gagner un peu mieux, etc. Donc, je trouve que j'ai tellement, enfin, mon côté, j'ai tellement chance de faire le métier qui me plaît, d'arriver à en vivre et faire vivre la famille aussi. Et... Mais après, là, je suis tellement content quand je suis seul dans mon atelier que je peux faire ce que je veux, quand je veux, écouter la musique que je veux. Enfin, pour moi, c'est vraiment la liberté, quoi. C'est... Même s'il y a des contraintes, évidemment, de respecter. Évidemment, de. Les délais qu'on m'a demandé, enfin tout ça quoi. Mais vraiment, je peux pas imaginer mieux au niveau du métier quoi. Il y a toujours dans la vie des hauts et des bas, mais là où j'ai eu un bonheur très total et profond, c'est le fait d'avoir qu'on soit ensemble, qu'on ait fait qui Antoine et Lucien, c'est extraordinaire de les voir vivre ici avec nous, de les voir grandir, de se dire qu'en plus ça va durer un moment. De les accompagner dans la vie qu'on a mis en place là, c'est un super plaisir.